je vais vous parler d'une compagnie québécoise qui font des smoothies, que ce soit en collation ou encore en repas, déjeuner ou encore après entraînement. Et je vous parle d'ici de Evive Smoothie. Moi, je vous dirais que ça fait environ un an que j'utilise leurs produits, surtout, exemple, après une course ou encore après un entraînement. Et je suis complètement comblée. Il y a des sortes que pour moi, c'est un incontournable. Ça goûte bon, c'est frais, c'est facile à utiliser, que ce soit en laissant fondre les glaçons de smoothie ou encore d'utiliser le blender. Quand je vous parlais en fait de roulette, c'est une roulette comme celle-ci où on a 8 glaçons totalisants et qui est très facile à utiliser. Comme je vous disais, pour exemple un déjeuner, un repas ou encore après un entraînement, pour ma part, je vais utiliser la roulette au complet. Si des fois c'est genre comme une petite collation, on a une petite soif, on peut utiliser les 4 glaçons ici. Aujourd'hui, je vais vous montrer en fait deux méthodes pour faire le Evive Smoothie, que ce soit pour, exemple, faire fondre les glaçons tout simplement, et par la suite, je vais le faire en format avec un blender où on peut ajouter un petit peu plus d'éléments, que ce soit yogourt, lait d'amande, de l'eau et des fruits. On peut retrouver en fait quelques sortes de Evive Smoothie en épicerie, que ce soit IGA, Metto, Poivrigo. Souvent c'est détaillant entre 17,99 et 9,99. Pour ma part, je commande directement sur le site internet. Il y a des sortes qui se retrouvent exclusivement sur le site internet et c'est très facile. Vous avez le choix entre des boîtes de 12 ou encore de 24. Vous choisissez la fréquence, donc à la semaine, 2 semaines, 3 semaines, etc. Vous choisissez quand, à quelle fréquence vous voulez vos smoothies. Et ensuite de ça, vous choisissez aussi les sortes que vous voulez, la quantité par sorte et tout. Ça arrive avec une boîte surgelée à la maison. Donc, j'ai jamais eu de problème. Je suis jamais arrivée avec des smoothies qui étaient décongelés à la maison. La livraison se fait à domicile et c'est gratuit. Donc, à ce moment-là, quand on prend une boîte de 12, ça revient à 51 $, une boîte de 24 à 90. Donc environ que ce soit entre 4,25 et 3,75 le smoothie. Mon top 5 au niveau des smoothies Evive, c'est vraiment le cajou mocha. Pour moi là, je suis vraiment une bibitte à sucre, donc cajou mocha, le Aztec, Yogi, le Saphir et le Tuk Tuk. Pour moi, c'est vraiment mon top 5 au niveau des smoothies. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont sorti 4 sortes avec environ 18 grammes de protéines. Donc, après un entraînement musculaire, c'est parfait. Donc,
Depuis environ un an, je suis devenue en fait ambassadeur pour cette compagnie-là. Donc après quelques commandes, j'ai eu le plaisir de recevoir un magnifique pot maçon. Donc c'est merveilleux. On met nos cubes à l'intérieur et ensuite on met le liquide que l'on désire. On a juste à shaker, puis tu sais, le tout il se laisse fondre. Fait que c'est quand même assez rapide. Souvent, ce que je fais aussi, c'est que quand je fais un exemple, ça peut être un bol déjeuner, ça peut être avec des fruits, du yogourt, du lait, je le fais au mélangeur et par la suite, je l'utilise dans mon pot maçon, par exemple, lorsque je vais m'entraîner.